Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la construction de mon village français sur Minecraft. Désolé déjà d'avance pour ma voix un petit peu particulière, j'ai un mal de gorge phénoménal. Mais bref, passons à cet épisode dans lequel nous allons repousser la taïga, la reine des neiges, c'est finito. On repousse tout simplement, vous voyez, toute cette grande forêt, voilà, que vous avez vu en tout début, et dans lequel bah, maintenant on a une petite plaine qui vient s'installer, donc bien sûr, on a différents éléments qui vont venir s'ajouter. Alors bien évidemment, on commence par une grande route que vous avez déjà vu là quand c'est la construction. Donc cette grande route qui va venir, bah, vous voyez, quasiment jusqu'à le reste, on va dire, de la forêt. Je vais venir à la ratiboiser un petit peu parce que tout cet espace qui sera au-delà de la fin des trottoirs, vous voyez, ce sera des champs. Mais tout le reste qui est juste avant, ça va devenir bah, tout simplement des maisons. Parce que comme vous l'avez vu, on est juste à côté du supermarché et de la jardinerie. Voilà anciennement la gare. Si vous avez suivi un petit peu les épisodes, voilà, tout ça machin, vous savez très bien où on est. Et bah, le bord est un petit peu spécial et tout. Donc voilà, donc gros terraforming, gros changement de biome. Et puis vous voyez, donc là on était tout au bout de la route. Je vais venir rajouter une colline, une slash montagne, pour venir, on va dire, cacher ce biome taïga qui continue. J'ai pas envie de le ratiboiser intégralement. Hein, j'ai envie, on est qui s'arrête, et donc voilà. Pour ça que je vais venir mettre des champs juste avant, je vais venir mettre cette petite montagne avec ce faux tunnel que vous avez vu, et puis bah voilà, je trouve que ça fait une belle fin entre guillemets, enfin en tout cas ça fera une belle fin au village, et avec cette petite vallée qui se dessine juste là, ça va permettre vraiment de se projeter sur la fin de cette zone. Vous voyez donc vraiment ici, quand ce sera aménagé jusqu'au bout du trottoir, bah ça en aura vraiment une zone pareil finie à cet endroit là, avec je pense mettre sur la colline qui est sur notre gauche, par la suite on mettra sûrement des petits champs avec des routes de campagne qui montent, enfin voilà, tout ce genre de choses, on aménagera tout ça comme il faut, et ça reste encore pas mal de bons projets à faire quoi.